Alors bonjour à tous, c'est Cocris et on se retrouve aujourd'hui pour continuer cette carrière à eSport FC 24 avec Anderlecht. J'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. Je vous le montre immédiatement. Zino de Bast nous a quittés pour West Ham pour 12 millions. Je l'ai fait partir parce que sa progression n'était pas extraordinaire et que j'avais Oût en remplacement. Et vu que j'ai fait venir Mbemba et De Winter, je me suis dit que ça valait quand même plus la peine de l'envoyer, lui, à la pêche, entre guillemets. Donc voilà, je l'ai vendu. Donc, Oût reprend sa place de titulaire après nous avoir quittés il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, nous avons donc le milieu, enfin la défense, composée de Delaney et de Oût. Nous ne changeons pas une équipe qui gagne. Donc, 3 matchs aujourd'hui. La Gantoise, le RWDM. Ces 2 matchs-là, ce seront juste les buts. Et enfin, le match en Europa League face à Aberdeen. Là, ce sera le match en entier. Donc, je fais cette vidéo après la magnifique victoire des Mauvais Blancs hier face au RWDM. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à aller voir tous les shorts que j'ai faits sur les tifos de la Mauve Army. Nous sommes partis face à la Gantoise. Alors, voyons, toujours pas de Rouf au goal. Peut-être qu'il est parti. Et nous avons Gerkens au milieu, un ancien de la maison. Allez, on se retrouve pour les buts. Dans l'avant-match, c'est son nom et son visage qui reviennent. En ce moment, ses performances sont impressionnantes, notamment sur le plan comptable. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, la Bien joué, compétition Flips, de allez! cette équipe. Alexis! Bonne Attention, passe pour Vasquez, 0-1! et le but! Voilà le premier but du 0-1! match. C'est But bon de pour le Luis Vasquez spectacle. qui continue à prouver que c'est lui l'attaquant en forme, contrairement à Dolberg qui, depuis le début de saison, n'a pas encore marqué de but, il me semble. 0-1 la Gantoise. La Gantoise qui a pris qu'un seul point sur 9 au début de ce championnat, donc une petite contre-performance pour les hommes de Van Azebroek. Bah, c'est toujours Van Azebroek l'entraîneur, ça c'est autre chose. Mais bon, bien joué de Flips qui voit très bien Vasquez qui n'a plus qu'à la pousser au fond. 0-1. De la tension, de l'inquiétude, et puis tout d'un coup l'explosion des joueurs. Le coach est emporté par le bonheur. Revenir au score. Très bonne couverture du ballon. Oh, attention, ça peut être dangereux. Non, c'est pas Et oui, ça possible. va au fond. En Et plus, c'est voilà ce qui est Gerkens, important. On quoi. ramène les deux équipes à égalité. Oh. Le match est assez Mbemba fermé. On essaie est la balle plutôt même finalement par lui échapper. dominé par Récupération la tentée. Gantoise, mais. Mbemba, elle lui obéit. Elle finit au fond des filets. Voilà, bon, un partout. Je vais pas dire que tu contrôles le cours du jeu. Bon, parce que comme je le dis à K2M, match nul, bon. Est-ce que c'est mérité ou démérité? Voilà, la Gantoise a été meilleure, donc voilà, je n'ai pas. Ce n'est pas totalement démérité. Et bienvenue à toi, Ravine. Dragnir. Et merci pour le follow. Pose-toi bien pour regarder cette carrière avec Anderlecht. Merci à vous d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner le vestiaire. C'est gentil, merci. Bah écoutez, la Gantoise était peut-être même légèrement supérieure à nous aujourd'hui, et donc c'est un bon point pris ici à la Gelamco Arena. Je viens de le dire. Avec pour une fois défensivement, j'ai pas à me plaindre. Bon après il y a le but, mais. Ah bah je suis belge, hein, et supporter d'Anderlecht, donc de toute façon. Et c'est la deuxième saison déjà.
Oui, je le pense, mais bon, c'est violent, donc je vais dire que le nul était mérité. Allez, on se retrouve pour le prochain match. Voilà, c'est tout. Merci encore. Allez, on se retrouve pour la suite, donc contre Molenbeek. Une victoire est essentielle parce que Genk a perdu. Ça nous permettrait de recoller au leader. Donc, c'est ce que nous allons faire. Je vais faire une petite save également. C'est vrai que je ne l'ai pas fait avant. Voilà, voilou. J'ai mis un réseau de recrutement en Danemark. Je comprends pas que personne ne me l'ait proposé avant. C'est pas bien. Oui, c'est possible. Je ne reconnais pas vraiment l'équipe contre qui on a joué hier, mais c'est pas grave. Merci à vous d'être ici. Nous allons pouvoir commencer. Bah écoutez, comme d'habitude, hein, nous allons jouer notre jeu et nous allons essayer de prendre les 3 points. Non, j'ai un effectif complet. Et je suis très content d'avoir ces joueurs. Et si d'autres offres se présentent, bah, nous aviserons. Ah, 2 victoires, 2 nuls. Contre en plus la Gantoise et Charleroi, ce n'est pas vraiment un des dents de scie, c'est plutôt des bons résultats. Nous n'avons pas perdu de points, nous sommes invaincus depuis le début du championnat. Tiens, nous allons en rester là. Je ne crache pas là-dessus. Allez, on se retrouve pour les buts de ce match. Ah, où t'es fatigué? Que je mettrai The Winter. Non, je vais pas mettre The Winter. Il montera sûrement au cours de jeu. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas fait de remplacement dans le match précédent. Ce type de rivalité, c'est l'essence même du foot. Allez, les 3 points. On Et il va vivre pleut. ça tout de suite ensemble. Ce premier derby de cette saison. Bonjour à tous, vous le voyez sur ces images. Ça va vers le point de pénalty. Le Oh! danger est éloigné. Excellente intervention. Bah oui. Donné en retrait. Bah oui. Stupéfaction, surprise, voilà une ouverture du score qui vient calmer tout un score. Mais qu'est-ce qu'elle fait la défense? Elle est partie où? Ça, c'est toujours la bonne question. Oula! Il y a le feu, la seule chose que tu as à faire, c'est d'appeler les pompiers. Mais au lieu de ça, tu fais un cadeau à ton adversaire. Bon, on commence avec un handicap. Un peu comme le match d'hier d'ailleurs. Maintenant que j'y pense. Bon, allez, faut se reprendre. Ah, pressing réussi, pressing payant. Ok, maintenant mon joueur il laisse la balle. Oh, y a de l'espace, là, pour... Et Super Mario! Super Mario! Avec ce but, donc pour recoller à l'adversaire et pour relancer cette partie. Ce but arrive un peu contre le cours du jeu. Parce que l'équipe est soumise à une toujours comme ça. Grosse pression. Je fais des passes et tout, mais il n'y a rien. Seule occasion, ils arrivent à faire quelque chose. Allez, Super Mario. Un partout. Sur le banc, le coach s'est laissé aller à l'euphorie de l'égalisation. Ouais. Je t'avoue que j'ai déjà oublié l'action précédente. Il y a du soutien en attaque. Ah là, c'est goal. Ah oui. C'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. J'ai rebaissé la difficulté, moi je. Ça me saoule.
avait le feu dans cette frappe surpuissante. Et comme il avait la précision aussi... J'ai aucun défenseur dessus. Aucun défenseur. Penalty. Oh, je le crois pas. Oh, je le crois pas. Et de Kylian en plus, apparemment. Encore faut-il la mettre au fond. J'ai fait descendre Dolberg, donc il va le tirer. Ah, bah oui, hasard, je suis con. Ah, il faut le mettre. Ah, bah oui, ça, je sais qu'il faut le mettre. Égalisation. Un hasard donne un penalty, un hasard le met au fond. Mais c'est pas dans la même équipe. Bon. On va prendre un point. C'est pas ce que je voulais du tout, mais bon, on fera avec. On revoit le plongeon, il est magnifique. Mais il est pas dans la bonne direction. C'est dommage. Le contre-pied est parfaitement bien joué. Je vais te montrer après à la mi-temps, à la fin du match, le calendrier. Et encore, c'est la deuxième saison. Si tu veux voir la première, regarde. Regarde mes parties précédentes, mais les 0-7, j'en ai donné. Hein. Bah ouais, faut être plus efficace. J'ai quasiment pas tiré. C'est un hold-up que je fais en prenant un point ici. Voyons les stats. Ah ouais, quand même, j'ai tiré 7 fois. Ah bah j'ai beaucoup plus tiré en seconde période. Bon, je vais faire ton... ce que tu préfères quand je réponds à l'interview, même si bon, c'est toujours aussi pourri. Je suis avec l'entraîneur qui accepte gentiment de répondre à nos questions. Ah, totalement, ça c'est un miracle. Ah bah ça, si le jeu était déjà bien fait, je serais en Ligue des Champions, hein. Sauf que le jeu est mal fait, alors... Comment comptez-vous? Bah, on va essayer de s'améliorer offensivement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en a mis deux, ils en ont mis deux, voilà. Bah, voilà, bravo aux deux équipes. C'était du beau spectacle. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le dernier match. Et là, vous aurez toutes les actions en Europa League. Voilà, on se retrouve pour ce dernier match de cette vidéo face à Aberdeen en Europa League. Match en aller-retour. Voyons un petit peu, est-ce que je connaîtrais quelqu'un? Oh, il y a un Shiny, il y a un Pokémon Shiny. 5 défenseurs, oula, ça va pas être évident. Premier match en Europe pour nous, enfin. Votre équipe? Ok, mon équipe c'est pas Aberdeen déjà. Quoi? C'est... Hein? Je sais pas quoi répondre, la question est pas logique. Aberdeen est considérée comme étant beaucoup moins forte. Bah dis donc, c'est bon à savoir. On va gérer la fatigue intelligemment. C'est pour ça que j'ai un effectif complet. Parce que nous on est au mieux peut-être. Ah, il faut en profiter, s'ils sont vraiment pas au mieux. On va tout faire pour. C'est bien au moins le moral de l'équipe a... est nouveau au max. Comparé à la fin de saison dernière. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais quelques remplacements ou je joue... Bon, déjà, août, j'ai pas le choix parce qu'il est HS, donc on va faire jouer De Winter. Est-ce que je mettrai un autre? Drouilleur n'a pas l'air d'être au mieux au niveau du tranchant, donc je vais mettre Verskaren. Drouilleur est à 82 en vitesse, il est plus lent que les défenseurs adverses. Logique sur 20. Est-ce que je ferai une fois jouer Pierceman?
Non. Bon, on va maintenir cette équipe-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Allez, nous sommes partis pour notre premier match d'Europe de cette carrière. Deux grosses écuries qui se rencontrent pour un choc européen à élimination directe. C'est un grand rendez-vous comme on les aime. C'est un bug, il n'y a pas de son, il n'y a pas de... Ah, ça y est. Allez, priez pour nous, pauvres pêcheurs. Bonsoir à toutes et à tous. Les conditions climatiques sont au rendez-vous pour ce match. Un temps idéal pour jouer au foot. Mais je t'ai demandé de faire une passe, putain. Merci. Lexi ! Le tir dévié ! Bon, pas assez puissant à cause de la déviation. Allez. Voilà. Ouf ! Première occasion de l'équipe adverse. Sûrement. Non, bah, pas sûrement. Beaucoup plus franche que la nôtre. Ça va réveiller nos défenseurs, ça. Allez, vas-y. Sérieusement. Allez, penalty. Mais oui, bien sûr. N'importe quoi. Ouais, carte jaune. Bah ouais, bah, non, exclue-le. N'importe quoi, ce penalty. Ah oui, vu comme ça, évidemment, oui. Peut-être pas. Je retire. Je retire. Bon, ben, 1-0. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toujours la même chose. Le contre-pied sur ce penalty est parfait. L'anticipation ne lui a même pas permis d'effleurer le ballon. Un pénalty qui est parfaitement bien tiré. Je sais pas pourquoi je m'obstine à jouer en légendaire, je sais pas. Le centre vers la surface de réparation. Et encore un pénalty, allez, mais oui, bien sûr. Et de nouveau de Winter, oui, c'est ça. Ah, je sais pas ce qu'il a fait. Autant le premier à la limite, autant là, je vois pas. Franchement, je vois pas. Allez, 2-0. Au revoir l'Europe. C'était super, merci. Balle de break. Ah, c'est dedans. Qu'est-ce qu'il est bien frappé, ce penalty. Voilà. Tout ça, le ballon qui part très bien et s'est envolé pour essayer d'attendre le ballon. Finalement, ça rentre au centre de l'équipe. Et ça fait donc 2-0 au tableau. Attention à cette passe. Et allez, réduction du score. Dolberg pour son premier putain de but de cette saison. Il était temps. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne. J'aime bien la balle. Elle est classe. Voilà, c'est reparti. Oh, Thorgan, à nouveau. Je suis en plein contre, j'ai aucun joueur au milieu. Allez, bien frappé ce corner. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Oh, magnifique! Oh, quel but! Magnifique but d'Alexis! C'est incroyable! Oh, quelle reprise de volée incroyable. Magnifique.
C'est pas possible de mettre un but aussi loin. En reprise de volée. But attendu, 0. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Le degré de complicité avec la balle qui arrive. Grande. Oh là 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 là. Ah, le jeu reprend le. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Je tacle et je perds encore le ballon. Pour aller chercher ce petit but qui sera une délivrance. Bah, vous le vouliez, le voilà. Le but qui fait mal. Voilà, à nouveau, je tacle, je suis censé avoir le ballon, mais non, le joueur adverse est plus rapide que le mien. Comme toujours. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match. On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout le réussit depuis le début du match. En plus, c'est le même. Enfin, oui, il m'a marqué deux pénaltys. Ah, c'est un petit. Grosse présence au contact. Ballon récupéré dans le camp adverse. Ballon pour égaliser. Oh putain, allez, Mario, non. C'est bien repoussé, ça. Oh, qu'est-ce qu'il a raté. Ce sera deux nuls et une défaite pour cette vidéo. Et l'arbitre à l'instant, donc on met fin à ce match, évidemment. Un tel résultat à domicile, c'est forcément une satisfaction. Ça les met dans les meilleures dispositions avant le match. Et oui, une très bonne rencontre avec ce petit but d'écart qui leur donne un petit peu de marge. Maintenant, il faut penser au match retour. Et ce qu'on a vu de sa part aujourd'hui, c'est absolument prodigieux. Le pied est chaud, bah, ils ont eu deux pénaltys, faut pas déconner non plus. Extase, triplé, toutes les lumières s'allument autour de son nom et c'est normal. Hi, just a couple of questions for you. Les demi-finales, mais quelle demi-finale? Qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas en demi-finale, c'est quoi ces conneries? On est en qualification. Je comprends rien à leurs questions, leurs questions sont pas logiques. C'est la même. C'est une genre de la même question. Putain, vous êtes con! C'est les mêmes réponses! Thank you. Bon. Bah on va s'arrêter là, c'était Eric ou Chris, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la suite, hein, si je me fais pas virer. Salut, salut!